C'est une goutte de trop. C'est pour ça aujourd'hui, je me dis, la personne la mieux placée pour dénoncer certaines choses, c'est moi. Je vais pas citer des noms, mais le premier vice-président de la fédération, c'est lui qui a imposé au coach le 11 joueurs qui allaient débuter le match. Notamment mon nom titularisation pour donner le capitanat à Bissouma. Il est coutumé des faits, hein. C'est pas la première fois qu'il fasse ce genre de choses au Congo. Hein. Le coach, lui, n'avait pas le choix, hein. Il a exécuté aux ordres. Je suis sûr à 100% que ça s'est passé comme ça. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais en sélection et ce système-là existait. Et là, ça continue. Et aujourd'hui, je me dis, bon, pourquoi pas parler, dénoncer tout cela, comme ça les jeunes qui vont arriver derrière bénéficient au moins du meilleur système que celui-là.